bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée. Donc on est samedi et nous devons faire une petite mise au point pour être entre nous, bien évidemment. Les trolls, on s'en tape, d'accord. Excusez-moi, je suis un peu direct, mais vous me connaissez les amis. Donc nous allons faire une vidéo concernant le mois de septembre, si vous voulez bien. On va se téléporter là-bas, si vous voulez bien. Avant cela, les amis, donc je dois faire une petite mise au point de tout ce qui s'est passé, surtout au mois d'août. Comme vous le savez, donc mon mari a eu un accident au niveau de son cœur, hein, tout simplement, début du mois d'août. Donc ça a relativisé énormément de choses, bien sûr. Comme vous le savez, j'ai une deuxième maison qui est au Portugal et nous avons fini de faire tous les papiers administratifs là-bas grâce à un monsieur qui est dans les hautes sphères et qui est en local. Donc heureusement, si vous voulez, il nous a beaucoup aidé pour mettre tout cela en œuvre. Donc aujourd'hui, je suis assez contente de cela. Grâce aussi à un ami qui est sur place, enfin un ami, une connaissance, je dis, parce qu'on n'est pas encore amis, qui est très très fortiche donc dans l'intelligence artificielle et qui m'a donné tous les tuyaux, si vous voulez, comme pour reproduire votre bureau à plusieurs endroits en même temps. Les technologies sont phénoménales, surtout avec le dernier téléphone que j'ai acheté là, le Samsung 24, S24 hein, je crois. Voilà, donc si vous voulez, ça permet de beaucoup de faire de choses sans avoir à dire où vous êtes et où vous n'êtes pas. Voyez-vous, donc comme quoi ça, alors j'ai pas dit que c'était parfait pour tout, mais là en l'occurrence, moi ça me rend vraiment service. Alors merci à tout le monde, parce que là-bas, si vous faites là-bas, là où je suis aujourd'hui, en fait, si vous voulez, ça permet de... Il y a des gens absolument fabuleux, nous avons... Enfin, il y a des Français qui sont sur place. C'est pas un petit village, je dirais une petite ville, voilà. Et tout le monde est absolument charmant avec nous deux, on se pose beaucoup de questions. Alors, vu ce qui s'est passé avec mon mari, donc au début du mois d'août, de voir que des gens usurpaient mon identité... Et compagnie, vous savez, j'en avais un peu ras-le-bol de tout cela, et puis qu'on se permette de dire des tas de choses qui étaient fausses, bien évidemment. Bon, c'est vrai, j'ai eu mon amie Anne Cuellar, que vous connaissez bien sûr, qui m'a aussi dit, Chris, il faut reprendre tes consultations, parce que j'en donnais avant, et il y a un an en arrière, j'avais arrêté, parce que franchement, j'en avais plus envie, hein, franchement, plus du tout. Donc, je vous le dis sincèrement, oui, j'ai pris la décision, on en discutait avec mon mari, avec des amis, avant de prendre cette décision, voilà, donc j'ai décidé de reprendre quelques, j'ai bien dit quelques consultations et pas énormes, voilà, donc vous savez la vérité, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative. Alors, je vous remercie les amis, toute la communauté pour m'en avoir informé, en me disant, Chris, c'est une fake, en fait, il y a quelqu'un, un usurpateur, usurpatrice qui est sur votre... Chaîne et compagnie, vous êtes formidables les enfants. Vraiment, véritablement, c'est chouette. Alors, donc je reprends véritablement, voilà, mais que quelques personnes, parce que j'ai pas envie d'en avoir des masses, parce que Anne Cuellar m'a dit, Chris, tous les gens que j'ai, enfin qu'elle a, me lui demandent pourquoi je ne donne pas de consulte, donc je vais le refaire, mais voilà, pas me prendre la tête. D'autre part, alors, on va remettre les choses aussi en place. Concernant, excusez-moi les amis, c'est un petit peu long, mais il faut dire les choses. Et en même temps, c'est pour un conseil. Si vous voulez vous mettre dans une entreprise, c'est pas le moment en France. D'accord? Je vous le dis sincèrement, c'est pas le moment. Il faut attendre quelque peu. Par contre, vous pouvez profiter de ce monde dit glow.bal. D'accord, c'est peut-être le moment d'aller faire vos recherches et compagnie, parce qu'il y a des tas de choses qui se passent de ce côté-là. Comme je sais, par exemple, des tas de gens me disent « Oui, mais le Portugal, c'est pas bien, etc. » Si, si, c'est très bien pour ce genre de choses. Alors, comment ça se passe ici? Il y a aussi, comme en France, il y a des charges, hein, c'est exactement la même chose, et qui sont à peu près équivalentes, hein, je vous dirais. Et après, au niveau des impôts, c'est légèrement en dessous. D'accord. Mais nous, que ce soit dans nos consultations, pour les gens déclarés, après il y a des gens qui ne sont pas déclarés, et en général c'est ceux-là qui font des ennuis aux autres, voyez-vous, c'est fabuleux. Vous versez dans notre... Enfin, en France, vous payez 50%, quoi. Une fois que vous avez enlevé les charges et les impôts, ça vous laisse que 50%, il faut bien vous dire, hein, voilà.
Donc voilà, au Portugal, c'est légèrement moins. D'accord? Je vous le dis sincèrement, c'est légèrement moins. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous être claire avec vous. Oui, je reprends. Alors ça ne se passe que par boîte mail, c'est-à-dire il faut me contacter via ma boîte mail chrissinclair26@gmail.com. C'est mon adresse email. Qui que ce soit, ben, vous envoie un téléphone ou autre, c'est pas possible, parce que j'envoie jamais mon numéro de téléphone, j'appelle toujours en numéro masqué, et je prends des rendez-vous. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'était quoi? Oui, je ne réponds aux mails que si j'ai le nom, le prénom et le numéro de téléphone. S'il n'y a pas des trois, pour moi, je peux considérer ça comme un troll, qui n'a rien à faire d'ailleurs, des mauvais coucheur, hein, comme on dit communément, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est que par mon adresse mail que vous retrouverez en dessous de la vidéo, de chaque vidéo, vous avez dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. On est d'accord sur le sujet, les amis? Voilà, ça c'est cool. D'autre part, donc on change de sujet, donc comme je vous dis, bien envoyer un mail, nom, prénom, et numéro de téléphone, voilà. Et si je vois que c'est un fake, j'ai pas de temps à perdre avec ça, ça c'est sûr. Concernant les trolls, parce qu'apparemment, les amis, les trolls arrivent et débarquent en foule, surtout sur la chaîne Chris Sinclair Média, parce que j'en ai tellement viré sur la première chaîne qu'il y en a d'autres. Ils seront virés manu militari, puisque je lis tous les messages. Oui, parce qu'on tente de faire croire que Chris Sinclair Média est une fake, une chaîne fake. D'accord? Donc, bien sûr, ils n'ont rien trouvé de mieux. Et oui, la jalousie, les amis, la jalousie. D'ailleurs, je vous encourage, les amis, si vous avez un doute, m'envoyez un mail avec une capture d'écran et je vous dirai ça tout de suite. Concernant les trolls, si vous voulez les signaler, vous gênez pas. Voilà. D'accord? Vous gênez pas, vous les signalez et dehors. Mais je vous rappelle que voilà, c'est en fait, non, je vous rappelle que c'est comme ça, c'est ric-rac et pas autrement. D'autre part, il y a une espèce de gens qui s'imaginent qu'on doit leur rendre des comptes. Vous savez, ils veulent faire une espèce de syndic.ca, voilà. Dans ce domaine-là, c'est des gens en général, c'est des gens malhonnêtes, d'accord? C'est des gens, voilà, qui veulent s'octroyer, enfin, on est du temps du HIT qui en avait l'air dans les années 40, et qui veulent s'octroyer des droits. Voilà. Donc, dehors. D'accord? Voilà. Moi, j'appartiens à personne. Et c'est certainement pas un troll qui va me dire ce que j'ai à faire. D'accord? Ludo, à bon entendeur, puisque tu écoutes cette vidéo, je le sais, tu écoutes tout ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Coucou. Hein. Didier, coucou. Hein. Voilà. Oui, c'est deux poltrons qui ont des soucis psychiatriques. Voilà, puisqu'on les connaît, Ludo, ben, je t'ai reconnu. Hein. Voilà. Donc, on y va concernant le mois de septembre et dans cette glace au raisin. Et vous avez vu, donc, concernant la briquette, hein, j'avais tout à fait raison. Ça fait plus de 2 ans que je vous dis qu'elle n'a jamais eu dopé. Point ration, ben, je ne me suis pas trompée. D'accord. Et je vous avais dit qu'il y aurait dans les. Chez les journaux, point le. Nous aurions des révélations, nous y sommes en plein. D'accord? Voilà. Donc, on va continuer et nous allons aller voir ce mois de septembre. Voilà, excusez-moi. Ben, disons qu'au Portugal, on a une maison qui fait 2 étages. Vous voyez, on n'est pas sur un étage, on est sur 2. Alors, quand je monte, je n'aurai pas d'ascenseur. Je monte à pied. Allez, hop, donc, alors quand il faut faire le ménage, vous êtes en ouvre, enfin pour les gens qui ont des maisons à étage, ils savent ce que c'est de faire le ménage dans ces cas-là. Alors, dites-moi, alors est-ce que je suis bien ici au Portugal? Allez-y, d'accord? Allez-y, voilà. Voilà, après les gens disent ce qu'ils veulent, moi c'est des gens adorables. Je suis très bien ici aussi. Après, les gens inventent ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Donc, dites-moi ce qui va passer au mois de décembre. Alors, ce qui est de septembre, pardon. Donc, vous verrez toujours le même décor. Et justement, avec l'intelligence artificielle, les amis, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez faire avec.
Et avec des certaines applications, moi j'ai des applications aujourd'hui qui sont topissimes, fait grâce à ce voisin hein, qui est... Alors lui, il travaille en télétravail tout le temps, quoi. Il a son bureau, en fait, il est bien. Sa femme est allemande et on s'entend super. Elle parle très bien le français et vraiment on s'entend bien, c'est agréable. Mais il m'a montré des tas de choses en intelligence artificielle qui sont en train de se mettre en place. Donc la téléportation, hein. On y arrive, même si pour moi ça existe déjà, mais bon. Allons-y gaiement. Donc, il m'a dit, ouais, tu racontes pas tout. Hein. J'ai dit, non, raconte pas tout, mais c'est impressionnant. Donc, dites-moi concernant le mois de septembre. Ouais, la briquette, j'avais raison tout le long. Ben, je suis contente parce que vous voyez, je fais des prédictions 2 ans d'avance et je vous dis les choses et ça se met en place. Donc, vous voyez, je ne suis pas mauvaise. C'est pour ça que je suis jalousée, parce que je suis très bonne dans ce que je fais. Eh oui! Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de me faire appeler la Nostradamus des Carpates ou des Carpettes Moquettes. Voilà. Moi, je suis Chris Sinclair, point barre. Mais je prouve, hein, pour prouver ses compétences. Voilà, donc qu'est-ce qui va se produire au mois de septembre? Alors j'ai vu que vous avez été nombreux à partir au mois d'août en vacances. Habitude, c'est kiff-kiff entre le mois de juillet et le mois d'août. Ben là, on n'y est pas, d'accord? Voilà, hop. Alors, si vous voulez prendre contact avec moi, nom, prénom, téléphone. S'il n'y a pas, je ne réponds pas. Voilà. Alors, dites-moi ce qui va se passer au mois de septembre. Oh, il y a des choses qui vont être coincées. Il y a des annonces qui vont être faites sur le plan des sous-sous. Ah non, il va encore dépenser des sous-sous, l'autre pomme. Ben oui, le bricatant, vous avez vu qu'il a ouvert sa boutique en face du palais à Lutèce, d'accord? Où il n'y a que des choses pour bricatant, voyez-vous. Les autres n'existent pas, les anciens n'existent pas. Moi, je. Donc, il y aura... Ah ben là, on vous annonce clairement. Alors là, habituellement, voyez-vous, chez le Triomphe et fin de cycle. Et changement radical. Donc, il y a des annonces qui vont être faites au mois de septembre. En parallèle, vous avez aussi appris, j'espère, que vous savez tout ce qui avait été dit concernant le professeur Didier dit de Marseille. Voilà, tout ce qui a été fait contre cette personne, c'est tout nul, hein, d'accord? Voilà, donc c'est annoncé aujourd'hui comme quoi ils reviennent en arrière sur ce qu'il avait dit. Et ils nous mettent, j'ai vu cette, au pays de Besançon, que j'adore cette ville, ils font le plan qui est bien blanchi à Besançon. Changement radical, hein. Il va y avoir un changement radical au mois de septembre. À mon avis, qui que ce soit qui arrive comme première sinistrose au sein de avec Bricaton, je peux vous dire que ça va être chaud pour cette personne, hein. Et elle peut dire adieu à sa place après, dans quoi que ce soit. Les anneux.mi seront bien... Ben on me parle encore d'une femme qu'on ne connaît pas. Alors là, alors J à l'instant T. Voilà, vous savez que je fais toujours mes vidéos la veille pour le lendemain. Donc les anneux.mi, j'ai une femme qui est annoncée, mais qui arrive par-dessous, qui est pas du tout proche de Bricaton. Oh punaise. Il ne mettrait pas la Lucie, là. Voilà, d'accord. Et là, ça me dit clairement, il va avancer masqué. Vous avez vu aussi, les amis, que ceux qui ont payé, comment vous dirais-je, la compa poigneux de Bricaton pendant le temps de la peste aux étoiles, c'était le lob.biba.yeur. Comprenez qu'il y a la manœuvre. Bon, alors là, je peux vous annoncer qu'il va y avoir effectivement quelqu'un de nommé. Peut-être pas la personne qu'on pensait, mais de toute façon, ça me parle encore d'une femme. Bon, écoutez, ça va être la fête au village par rapport à elle.
Mais Bricaton, il s'en fout comme de, comme vous voulez, comme de l'an point 40. Et ici, ça m'annonce que la popu point las, les choses ne marchent plus du tout. D'accord? Donc, il y a des effets dits d'annonce, en fait, pour bousiller la personne qui sera à ce poste-là. Changement radical. Lumière, vous voyez, il y a, lumière, pourquoi j'ai. Il n'y a plus rien qui ne va au niveau de la juste pointise, bien sûr. Il y a des décisions qui vont être prises pas dans le bon sens. Pour les franchouillards, eh ben, il faudra faire comme autrefois. Il faudra y aller à la maïoche, tout simplement. D'accord? À titre individuel, bien évidemment. Et ici, on me dit clairement, on me dit, il y a le soleil sur des prises de décision qui vont aller à l'envers des franchouillards. D'accord? Donc, à mon avis, nous aurons une truffe en tant que première sinistrose. Alors, tout ce qu'ils annoncent, hein, moi, on voit que on voit que c'est pas vrai, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans la boîte carrée, dans la boîte à fromage, moi, j'écoute plus rien. Donc, ici, nous voyons, donc, nous parle bien de septembre, bien évidemment. On nous parle des enfants, d'accord? L'équilibre à la base, d'accord? Et qui, pourquoi ici? D'accord, donc, il va y avoir, soyez prudents quand vous envoyez vos bombes, vous voyez ce que je veux dire? De ce que on leur apprend, on va les éduquer, si vous voulez, contre comment vous dirais-je, de se remonter contre les points familiaux. Alors, qu'est-ce ici? Bon, au niveau des la point bi, ils veulent refonder le système des sous-sous. D'accord? Mais ça, on en a déjà parlé. C'est marrant, mais au niveau du frein souhait, vous savez, au niveau de Rome, le flin souhait, ben le rein flin souhait, c'est plus flin souhait, quoi. Le flin souhait est parti. Et là, je peux vous l'annoncer véritablement. Hein. Là, il n'est plus là du tout depuis un bon moment, parce que ce que j'avais vu, parce qu'il y a un moment, je le vois radicalement raidi. Voilà. Et voilà, donc ici on nous annonce quelque chose de nouveau et ils veulent mettre en place un nouveau système éco-nomique. Je vous dis les enfants, je me répète, si vous voulez faire une entreprise, je vous conseille peut-être d'aller dans une autre contrée. Vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? D'accord? Ce n'est pas le moment ici. D'accord? Dans votre. Chez les Franchouillards, c'est pas le moment. Enfin, si où je suis, oui, c'est pour ça qu'on a tout fait, on est arrivé au bon moment. Il fallait que tout soit signé avant le 1er, le 31 décembre, ça a été fait. Donc voilà, on est tombé sur une bonne occasion. Tous les travaux ont été faits, là maintenant c'est top ici. D'accord? Et il y a plus. Là par contre, il n'y a pas de souci éco-nomique dans le sens où on l'entend. Comme chez les Franchouillards. Action. Bon, alors écoutez bien. Il va y avoir des soucis pour louer des loges.mont. Il va y avoir des soucis avec, comment dirais-je, avec les sous-sous donnés pour tout ce qui est sceau.ciel. On est bien clair. La paix aux étoiles qui arrive ici et qui veut mettre à mal la populace, ça c'est au mois de septembre, donc il y a des choses qui vont être décidées, d'accord. Par contre, je vois que pour, vous savez, la crêpe bretonne, d'accord, ouais, le vol au vent, le Thierry, d'accord, là par contre, ça va très très mal pour lui, hein, d'accord, il pensait être le calife à la place du calife, mais là ça ne marchera pas du tout pour le coup. D'accord. Et là, je peux vous annoncer véritablement.
D'accord. Ils vont demander des sous-sous au niveau de la paix aux étoiles. Il faudrait leur donner plus de sous-sous. Oh, ça, j'adore. Ça, j'adore. Voilà. Donc, il y aura des rues. Alors là, nous avons une rupture, tout simplement, avec des sous-points-sous. Nous, concernant, ou tout au moins concernant les fa-points-mi. D'accord? Voilà. Je me répète, parce que vous êtes pour plus vous rendre compte, les amis, je ne me trompe pas souvent, je vais vous dire, et là, je peux vous affirmer haut et clair, je peux vous affirmer haut et clair que ils vont s'en prendre au fa.mi. D'accord? Et je ne me suis jamais trompée sur le sujet. Et tous ceux qui comptaient sur les a.loc, vous savez, quand on avait des bancs pour un bain, je vais vous dire, ou d'autres façons, ça va être très compliqué par la suite. Pour moi, ça va être tout raboté. Vous entendez bien? Alors, je ne peux pas vous dire l'inverse de ce qui est. Hein. Là, c'est une évidence. Alors, surprise. Alors, on nous parle de Lutèce pour le coup. Ouais, c'est ça. Alors, la personne qui sera à l'éco.nomie au niveau des sinistros, je peux vous dire d'entrée de jeu, ils vont parler de coup de rat.beau. On est clair, hein? Monde de frappa.dingue. Décision. Il y a une décision, alors là, pour le coup, véritablement. Et là, je vois effectivement. En fait, le bricaton a déjà signé des dépoincrets. D'accord? Il a déjà signé pour nous, pour mettre à mal la sinistrose qui arrive. Enfin, la première sinistrose qui arrivera, ça va être très compliqué parce qu'elle va signer des docs qui vont être à son encontre par la suite où elle sera responsable de tout. Ça change. Alors, nous sommes. Alors, moi, je ne voudrais pas faire de popo Lili Titi Queque, hein, je vous le dis tout de suite, ça, pas du tout, pas du tout. Pas de commu, point, nication. Le monde, sata.nique, est bien à l'œuvre, dans désaccord, au niveau du sous-sous, donc je peux vous annoncer que les lobes.bi sont à l'arrière. Nous avons pu remarquer aujourd'hui que le fils du sort qui n'a plus d'os, d'accord, et bien avec la K, vous savez, celle qui est au monde du bidon, là, qui suit le bidon bidé, d'accord, la Kama.la, il la suit, donc de toute façon, c'est que c'est tout truc point K, hein, ça on l'a très très bien compris. Donc voilà, dans ce que j'avais dit à l'époque, j'avais dit, concernant le dos qui n'a plus de nage, je vous avais dit, pour moi, je ne voyais pas arriver en tête, on est clair, hein, c'est ce que j'avais annoncé, mais je voyais quelqu'un d'autre que le bidet bidon. Donc là, j'avais raison. Et je vous avais dit également, par contre, le dos qui n'a plus de nage va passer dans des hauteurs, des sphères supérieures, alors lesquelles je ne sais pas, mais il va avoir beaucoup plus d'influence par la suite. Donc, on verra si mes prédictions et mes dires sont bons. Ceci dit, les accords avec le sort qui n'a plus d'os, puisqu'on voit le fils de la momie un peu de partout qui voyage, et on voit toujours avec les premiers trucs, c'est là où est le problème. C'est là où est le problème. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ça nous parle quelque chose qui ne fonctionnera pas. Bon, au niveau de l'apéro, vous savez, le fameux apéro, celui qui rit, là, le saint.jeu.ri, hein, d'accord? Voilà, ben écoutez, je peux vous annoncer, ça ne fonctionnera pas. Ils vont tenter d'inventer encore une histoire à l'eau de rose, mais ça ne fonctionnera pas. Et vous voyez, leur système, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça, en fait, les gens ont véritablement compris. En fait, si vous voulez, les réseaux, ça les embête parce que les gens disent les choses et ils n'ont plus le contrôle de toute cette situation. D'accord? Ouais, il va falloir faire gaffe, les amis. Je vous ai averti et alerté au mois de septembre, puisque c'est bien là.
ils vont arriver la tête, comment vous dirais-je, ils vont arriver d'une façon enfapouinrinée, d'accord, en vous disant, voilà, nous avons des soucis, ah ben alors là, nous avons des soucis, nous n'avons pas assez d'emplois France dans notre beau pays pour faire venir des touristes du Sud en plus. Franchement, inaction de quoi? Il y a une action et une action. Donc, il me dit clairement, ils vont vouloir faire quelque chose concernant la popu. Point là, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est dès le mois de septembre, mais ça ne fonctionnera pas. Ils n'auront pas le vent en poupe et on me parle bien de ces escrocs. D'accord? Ils n'y arriveront pas. Donc, beaucoup d'effets d'annonce au mois de septembre. Relativisez, prenez de la hauteur. C'est véritablement important. Alors, ici, sur le plan de la force.se, d'accord, ben en fait, si vous voulez, rien ne va plus au sein du palais, hein, d'accord? Vous voyez bien, il est là, sur son petit cheval blanc, avec briquette en sobriquet. Voilà, ben écoutez, maintenant, vous avez vu, j'avais raison toute la ligne, hein, la concernant, j'étais vraiment dans le vrai, je suis assez fière de moi, j'ai le droit, hein, de toute façon. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens jaloux, parce qu'ils n'y arrivent pas. Que voulez-vous? On a le droit de se gosser. Voilà. Donc, si vous voulez, toute son histoire ne fonctionne plus. En fait, il y a des associations, si vous voulez, qui ne marchera plus avec le bricaton. D'accord? Lui et certains potes à lui. Et là, on voit, puisqu'on sait qu'aujourd'hui que bricaton, tout est financé par des lobes.bi, notamment le bas, qui n'a plus de hier. Vous avez entendu? D'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le projet. D'accord, les propri.it. Pourquoi ça me parle de ça? Non, oui, c'est ça. Il y a un projet concernant les propri.it, d'accord, qui veulent bien sûr récupérer pour eux. Ils vont tenter d'empêcher les gens de devenir propri.itaires. La peste aux étoiles, il y avait longtemps donc. Oh là là, alors rien ne va plus pour la peste aux étoiles. Plus personne n'en veut, quoi. Quiconque veut de mes crêpes bretonnes? Personne. D'accord, donc là, on voit que beaucoup d'endroits rêvent de les envoyer dans les étoiles, justement, cette peste aux étoiles. Et là, je peux vous annoncer. Septembre, il y aura des réveils point Lation concernant la peste aux étoiles et du détour point Nemant de flouze et de blé. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Il y a un projet ici. D'accord. Bon, les filles point Nance, hein, vous avez bien compris que c'est là. Ça va plus du tout. J'ai envie de dire certains mots, ça avait un rigolin, puis je me dis non, tu peux pas. Voilà. Il y a un projet, donc si vous voulez, et là, ça me dit clairement, on leur dira, on les renverra dans les 22 en leur disant, va vite voir une personne compétente, voilà, pour te mettre entre quatre beaux murs, voix bien rafraîchie. Voilà, les amis. Donc, je pense que le mois de septembre, on prend de la hauteur, on reste tranquille et on regarde le spectacle se dérouler. Formidable. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures.